Voilà. Attends un peu. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de désordre. Ce coussin, oui, celui-là. Arrange-le. Maintenant, ça se voit que tout est propre, exactement comme les chambres. La seule chose qu'il te restera à faire maintenant, ce sont les salles de bain. Assure-toi qu'elles soient blanches comme la neige, ok? Et enfin, tu vas finir avec la cour. S'il te plaît, nettoie-la exactement comme j'aime, ok? Pourquoi tu réponds, hein? Il y a un problème. Je suis juste fatiguée. Bande Konyenge, tu es encore une jeune fille. Lève-toi, ne me fais pas bavarder. Et tout ce que je viens de te citer là doit être fait, hein? Pendant que je vais au marché. À mon retour, tout doit être propre. Il faut que j'aille au marché pour acheter quelques condiments. Pour la sauce au nobu que je voudrais faire pour mon fils. Oui, wow. En fait, mon fils aime beaucoup la sauce au nobu. Je le sais. Ah bon? Ah bon, je vais te garder une petite partie. Et ça fait près de 2 ans qu'il n'a pas mangé la sauce au nobu. Wow. Mm-hmm. Vraiment wow. Bon, il faut que je parte maintenant. J'ai hâte de rencontrer votre fils. Vous parlez tellement bien de lui. Ah, mon fils est très beau et très intelligent. La partie la plus belle de l'histoire. La cerise même sur le gâteau, c'est qu'il vient avec mon petit-fils. Mon seul et unique petit-fils. Waouh. Oui, waouh. Bon, maintenant, il faut que je parte, ok? Fais tout ce que je t'ai dit, ok? D'accord, grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît, garde mon avocat avec le maïs. Non, je ne vais rien te garder. Il faut que tu gardes la ligne. Merci. Gaga. Benyaloum, où sont-ils? Je suis rentrée. Benyaloum. Grand-mère. Ils sont là. Non, pas encore. Comment ça, pas encore? Ah, en principe, ils devaient déjà être là. Jusqu'à... Avant que je ne rentre du marché. Grand-mère, c'est encore mieux qu'ils ne soient pas encore là, le temps d'apprêter le repas. Grand-mère, as-tu apporté mon avocat? Je devais acheter l'avocat. Va laver la viande et apprêter les choses. Ok, grand-mère. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Hein? Ernesto organisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-mère, calme-toi. Tu crois qu'il a pu arriver quelque chose à leur avion? Qu'à Dieu ne plaise. Calme-toi. Je te l'ai dit. Peut-être qu'ils se sont arrêtés quelque part pour faire des courses. Calme-toi, grand-mère. Ils vont arriver bientôt. Je te l'ai dit, grand-mère, ils vont arriver bientôt. Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas, tu sais, ça peut arriver. Ils se sont certainement arrêtés quelque part. Pardon, reste tranquille. Écoute, la façon dont je me sens actuellement, j'ai l'impression que... Cela n'arrivera pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il est arrivé. C'est eux. Yeah. Non. Ce sont ces garçons qui ont l'habitude de jouer la musique, qui sont près du portail. Grand-mère, viens te reposer, hein? Non? Quel repos? Grand-mère, hein? Ils sont là. Hey, ils sont là. Onyifenyekuma nyenyego, akami gagamu nemo. Ernesto, content de te voir. Fils. Le fils unique à sa mère. Regardez, t'es trop belle. Le digne fils de sa mère. T'es en forme, maman. Ah oui, exactement. Tu as pris tout ce charisme-là chez moi. Comment tu vas? Exactement. Je vais bien. Je vais très bien. Bienvenue, hey, bienvenue, mon fils. Hey, maman, qui c'est? Ah, mais c'est Bignelum, non? La fille dont je t'ai parlé. Grand-mère. C'est elle qui a fait la propreté dans toute la maison. Elle m'aide vraiment. Oui, je me rappelle d'elle. J'ai ramené des petits trucs. Hey, en amoigne. Merci, monsieur. Hey, Ikanouam. Hey, Chibike. Dis bonsoir. Regardez à ta grand-mère. Mon petit-fils. Il m'a coin. So onosena. Didinolokwe, n'élève. Que dit-elle? Hein? Na. Je m'adresse à la mauvaise personne. Hein? Qu'est-ce que. Viens me faire un câlin. Viens embrasser ta grand-mère. Comment vas-tu? Il a un problème avec sa main. Non. Chibike,
Grand-mère veut un câlin. Viens m'embrasser, allez. Tout d'abord, serre fort. Et pour le câlin, je ne pense pas que c'est nécessaire, ok? S'il te plaît, peux-tu me montrer la salle de bain? Ici, il fait très chaud. On se prend tous après. Il n'a pas encore eu chaud. Ça, ce n'est que le début. Ah, personne ne peut supporter ce garçon. Ne t'inquiète pas, c'est mon petit-fils. Je m'en occupe. Hein? Ah, tu as porté toutes les choses. Évidemment, que je... J'en ai assez. J'espère pour que dans tu as tout ce que je t'ai demandé. Hein? J'espère qu'elle est pleine de la malle là. Ah, le digne-fils de sa que mère. Je hey, Maman, ta cuisine m'a tellement manqué. Je pense que ça fait 2 ans maintenant. Je sais. J'ai dit à Mieloum que tu vas beaucoup apprécier ce plat. Absolument. Un vrai régal. Je l'ai deviné. Tibike, je suis... Réforte, s'il te plaît. Ok. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu apprécies ou que tu vas apprécier quand finalement tu vas te décider à manger. Je l'ai préparé spécialement pour toi. C'est notre maître à dire. Pourquoi ne manges-tu pas? Manger quoi? Ça? Ça sent! Je ne peux manger ça! Je ne peux évidemment pas manger. Et même si je dois le manger, avec quoi je suis supposé le manger? Mes doigts? Pas de couvert, rien du tout? Chibike. Papa, arrête, s'il te plaît. Mais vas-tu aussi diriger ma vie ici, sur la table de dîner? D'accord, mais tu ne peux évidemment pas me forcer à manger ça! Ça! C'est affreux! Calme-toi. Le repas de grand-mère affreux? Mais elle l'a fait spécialement pour toi. Je peux m'en passer, ok? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Pourrais-je avoir autre chose comme des frites, du hamburger, quelque chose d'autre? Chibike, ce n'est pas comme si on te... C'est réforte, papa! Réforte! Combien de fois devrais-je te le répéter? Dis-moi, as-tu des troubles de mémoire? Je t'ai dit que j'ai changé de nom il y a 3 ans. Et toi, tu t'entêtes toujours à ça! J'en ai fini. Je peux m'en passer. J'ai pris ces robes à 30 000. Ah, mais la couleur noire reste ma préférée. Avec des perles jusqu'à ce niveau. C'est aussi ma préférée. Je l'ai eue de Zara. Ah, Nawao. Regarde-moi, je porte de grandes marques. Bien, mon fils, mais la prochaine fois, apporte-moi de la barre. Oui, oh, parce que cette fois-ci, tu ne m'as pas apporté de la barre. Je vais te les acheter. Ah, regarde-toi, tu es fatiguée. Je suis exténué. Ah, t'inquiète pas, je comprends. Ton fils a été nuisible durant toute la journée. Toute la journée, maman? Tu veux dire, gaspiller toute sa vie? Mais on ne peut pas lui en vouloir, c'est encore un enfant. Quel âge a-t-il actuellement? Juste un enfant? Oui. Maman, le bonhomme a presque 18 ans. 18 ans. Et dire que quand je l'ai vu, il était encore un bébé. Tu sais, je me rappelle encore très bien quand tu l'avais amené ici. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 2 ans. Oui, 2 effectivement. Voilà, c'est ça. Il n'avait que 2 dents dans la bouche. Et là, tu as dit que tu voulais le meilleur pour ton fils. Et je n'avais aucun moyen pour t'en empêcher. Et aujourd'hui, regarde ce qu'il est devenu. Un enfant nuisible. Vraiment nuisible. Maman ne me rappelle pas. Elle a eu repos aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon s'est mis dans une bagarre avec l'un des agents de l'aéroport. Comme je te l'ai dit. Et il l'a blessé. Dis-moi, tu es sérieux? Je suis très sérieux, maman. Quand nous avons atterri, je me dépêchais déjà pour la maison, mais à l'aéroport, j'ai fait plus de 4 heures. Essayant de les convaincre de ne pas l'arrêter, de nous laisser partir. Et moi, j'étais ici très inquiète. Aïe, il t'a vraiment mis dans des problèmes. Il devra avoir honte de lui. Avoir honte? Oui. Hey, Ford, Civique n'a jamais honte de quoi que ce soit. Il était juste là à crier. Oh, ça c'est une violation de mes droits privés. Je ne peux le tolérer dans cet aéroport. Oh lolololo, ah là 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 là. Et j'étais là. Est-ce que tu peux te calmer? Tu viens tout juste de blesser un agent.
Oh, mon Dieu. Ah. Ce garçon est vraiment un cas. Il a ramené toutes ses habitudes américaines ici. Maman, pour être honnête, je ne me vois pas repartir avec ce garçon. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense le laisser ici. Ah. Et avec qui est-ce que tu comptes le laisser? Avec cette vieille et sévère enseignante? Ben, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il saura se débrouiller. Attends. J'ai une idée. C'est d'accord. Peut-être que tu devrais le laisser avec moi. Comme ça, je serai capable de le corriger. Oui. Je... remettre chacun de ses sens à sa place. Tu connais ta mère? Oui, maman. Tu sais comment j'étais avec toi? Oui, je le sais. Je ne sais pas comment il réagira, mais je sais juste. Je réfléchis juste à ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Sois juste positif, ok? Ok, maman. Tu devras aller te coucher, d'accord? Sur ce, je te dis à demain. Ok, maman. Du café, demain à la première heure. J'apprécierai. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit. Douce nuit. Faites vos rêves. Maman. Salut. Je m'apprêtais à venir dans ta chambre. Assieds-toi. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Tout d'abord, surtout pas de sale papa. Mais papa, tu devrais déjà être habitué maintenant. Tu as pratiquement passé toute ta vie à New York. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que tu perdes ton bon sens. Juste parce que... Monsieur a grandi à New York. Ouais, comme tu l'as dit, j'ai grandi là-bas, mais je n'ai pas perdu mes sens. Mes sens sont toujours intacts. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À quoi ceci est supposé être? Une histoire de lavage de cerveau? Hein? Ok, des rapports me sont parvenus dans lesquels on me dit que tu traites mal la nourriture qui est soigneusement préparée et servie pour toi depuis que nous sommes là. Tout d'abord, je n'accorde pas d'importance au commérage, donc je m'en fiche. Attends, fais attention à ta bouche, c'est de ma mère dont tu parles. Oh, je ne savais pas qu'elle était une commère. Quoi? Je n'ai pas fait de commérage. Et je ne suis pas une commère. Ce que j'ai fait, c'est de dire à ton père ce que tu as fait. Ernest, préviens ton fils. Ah, désolé, maman. Papa, tu vois ça? Hein? Jeune homme, tu devrais faire attention. Tu devrais te méfier. Parler comme tu le fais de ta grand-mère en tant que commère est une insulte. Donc elle mérite des excuses. Présente-lui des excuses. Je m'en vais d'ici. Rayford! Ray! Non, laisse! Tu es là à faire l'Américain. Mais t'inquiète pas, j'aurai mes excuses. Chibike! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans ma chambre sans ma permission? C'est toi qui m'as demandé d'entrer. Ben, il est évident que je parlais dans mon sommeil. Et alors, c'est quoi mon problème si c'est que tu dormais? Oh! Tu me reprends là? Mais quelle insolence! Maintenant, sors de ma chambre avant que je ne perde la tête! Viens ici toi! Mais où est mon téléphone? Je l'ai laissé ici. Qui est son téléphone là-bas?
Écoute que je te dise, tu penses que ceci est un jouet? L'argent de toute ta famille réunie, vendue en esclavage, ne pourra jamais acheter ce téléphone. Maintenant, sors de ma chambre. Sors avant que je ne perde la tête. Foutaise. Oui. En fait, c'est ça. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses concernant ce pays que, tu sais, je n'ai pas vu là-bas. Mais peut-être qu'ici, je vois les choses beaucoup mieux. Eh bien, tu sais quoi? Tu vois, l'air est très frais. Tu vois, cependant, je trouve très regrettable que la plupart des maisons sont dans les barrières. Elles ont des hautes clôtures. Tu ne peux pas voir l'enceinte du bâtiment. Alors, mais quelle est l'importance d'avoir, je dirais, une très belle maison avec une très grande clôture tout autour? Oui, la plupart des gens disent que c'est pour la sécurité, mais je ne suis pas d'avis. Ce n'est pas comme ce qu'on a là-bas. C'est juste que tu as des gens qui vivent en communauté sans prendre en compte la sécurité. Oui. Mais bon, ici c'est bien. Quoi, fraîche? Je ne pense pas que l'eau soit assez fraîche. Non. Oui, une végétation, bien sûr. Oui, il y a assez de verdure ici. Oui, une végétation fraîche. Mais là, j'ai vraiment hâte de rentrer. Je suis fatigué. Oui, bien sûr, ça me manque. Oui, j'aimerais manger tous ces... Oui, exactement. Là, je meurs d'envie. Je pense, il y a cette sauce que ma grand-mère a cuisinée l'autre jour. On appelle ça écou. Non, je ne peux pas le prononcer. Mais ça avait l'air dégueulasse. Je n'ai pas pu manger. D'accord. Ça, c'est bien. Bien. Je te rappelle après. Je veux juste profiter de la vue. Bye. Prends soin de toi. Merci, mon frère. Salut. Tu cherches quelqu'un? Je t'ai repéré de loin. Mon nom, c'est Rayford. Je suis Tukwemeka, mais tu peux m'appeler Tchèk Tuko. Les gens de ce village ont vraiment des noms bizarres. Désolé pour ça. Bien, ça va, je plaisantais. Je peux m'asseoir? Bien sûr. D'accord. Merci. Peux-tu partager? Bien sûr. Mais tu dois faire attention. Ton cerveau doit être prêt à le recevoir. C'est très fort. J'ai un autre truc fort que ça. Oui, je connais tout ceci. Comme quoi? Tu verras. Bien. Bien, vraiment bien. Tu peux prendre ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça t'aidera à dissimuler la cigarette. Tu es sûr que je peux le prendre? Sûr. Je te fais confiance. Faire confiance à la première vue. Comment parviens-tu à boire ça?
Tes petits plats, maman. Oh, j'ai toujours apprécié chacun d'entre eux. Ta mère est une bonne cuisinière. Oui. Ça me rappelle le bon temps, quand on mangeait dans une grande et heureuse famille. Une grande et heureuse famille, tu dis? Mais nous étions juste une famille de trois. Oui, une famille de trois qui réunissait toutes les autres familles autour de la table à dîner lorsque tes repas étaient prêts. Ah, oui, ça c'est vrai. Je m'en souviens. Je m'en souviens encore très bien. Tu sais, nous avons été une source de bénédiction pour la plupart de ces enfants. Yeah. Et à cette époque, je croyais que je devais avoir plusieurs enfants. Mais quand je te regarde, je vois ce que tu es devenu. Je veux dire, non mais regarde-toi. Beau, intelligent, soigneux. Tu vaux plus qu'un million d'enfants. Non. Avec tout ça, comment est-ce que je pourrais avoir des regrets? Ou même penser ou prier pour avoir d'autres enfants? Eh bien, ainsi va la vie. Et voyons-le de ce point de vue. Peut-être que nous ne sommes que destinés à n'avoir qu'un seul enfant dans notre famille. Je veux dire, regarde-moi, je n'en ai qu'un. En parlant de tout ça, où est Tibiké? Nyaloum? Nyaloum? Oui, grand-mère. Pour une première fois, il répond. Après que je l'ai appelé plus de deux fois. Où est Tibiké? Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Je suis fatigué. Je ne sais plus quoi faire de cet enfant. Ceci est déjà une nouvelle habitude. Il se lève le matin, mange et va. S'en va je ne sais où sans rien dire à personne. Et reviendra comme ça. Nyaloum, tu peux partir. Retourne à tes occupations. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est un murquin. Nyaloum! 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 C'est quoi, hein? Tu es sourde ou quoi? Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Tu ne m'appelais pas, mais tu criais plutôt mon nom. Oh, tu vas me fermer tes cabinets? Hé! Hey, pourquoi mon repas n'est pas servi? C'est ce que je m'apprêtais à faire. Tu t'apprêtais à quoi? Ça ne va pas là! Et pourquoi est-ce que vous criez? Papa, Nyaloum ne m'a pas apprêté le repas et j'ai faim. Elle me prive de nourriture. Je ne pense pas qu'elle ait fait exprès, je veux dire. Elle était occupée toute la soirée. Papa, peux-tu te mettre à l'écart parce que je ne comprends aucune raison pour que tu sois de son côté? Tu n'as pas à me dire quoi faire, jeune homme. Et où étais-tu? Eh bien, je suis sorti avec mes amis. Oh, et tu penses que tu peux débarquer ici et demander à manger comme tu veux? Oh, alors c'est bien, vous pouvez le garder ou le manger, je... Je n'en ai pas fini avec toi. Oh, gars, c'est un enfant. Et ferme-la. Désolé, monsieur. Comment oses-tu? Chibiké? Toi, petite villageoise, combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans ma chambre sans être invitée? Laisse-moi te dire que j'ai frappé, tu n'as pas écouté. Parce que tu étais occupée à jouer à ce jeu d'enfant. Sors. Sors d'ici. Viens prendre ton repas. Sors de ma chambre avant que je te fasse quelque chose que tu ne vas pas aimer. Viens prendre ton repas que tu as commandé. Je ne suis pas ton esclave. Viens prendre ton repas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Cette fille est nuisible. Nyaloum! 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 Cette fille est sourde. Peut-être. Oui. Demain matin, elle viendra ici. Pour passer le week-end. Oui, je partage ton avis. Jeune homme? Oui, papa. Que veux-tu de Nyaloum?
Je veux qu'elle débarrasse pour la cuisine et qu'elle le lave. Oublie ça. Si tu manges la nourriture, tu fais la vaisselle. Tu as vu l'heure? Il est 23 heures passées. Tu t'attends à ce que je fasse la vaisselle à 23 heures passées? Bien, si tu ne peux pas faire la vaisselle à 7 heures, ça voudrait dire que tu ne devrais pas manger à 7 heures. Attends. Pourquoi remets-tu toujours en question mon opinion? Dis-moi, s'il te plaît. Bien, tu ne peux pas venir ici et faire tout ce qu'il te plaît, tout ce que tu veux. Passe sur toi. Waouh! Je le voyais venir. Je savais que toute cette conversation allait dans ce sens. Oui, je le savais. Papa, laisse-moi te dire. Si tu n'es pas à l'aise que je mange la nourriture de ta mère, tu ferais mieux de me dire d'arrêter et je le ferai avec plaisir. D'accord? Je le ferai. Je me dois de te trouver une alternative. Tu me donnes des ordres maintenant? Pense ce que tu veux, je me tire. Où va-t-il? Je n'en ai pas encore fini avec toi. Tu vois? Ça, c'est de l'influence new-yorkaise. Vraiment? J'ai honte à ta place. Mais peut-être que tu devras aller faire la vaisselle. C'est depuis que tu as ramené ton fils ici au village, je l'ai observé. Et je pense que quelque chose ne va pas chez lui. Tu sais, si on enlève le paramètre selon lequel il consommait de la drogue de temps à autre aux États-Unis, comme tu me l'as dit, je pense qu'il devient fou. Fou? Non, maman, je ne pense pas. Il n'y a rien de mal avec lui. Il n'y a absolument rien de mal avec lui. C'est juste compliqué. Alors explique-moi cette complication. Pour que je comprenne. Explique-moi d'où sortent toutes ces bouteilles d'alcool vide qui sont dans mon salon. Peux-tu me dire ce qu'elles font là? Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé dans mon salon, Siviké? Papa, j'ai eu la visite de quelques amis. Siviké, qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? C'est réforte, papa. Oh, la ferme! Écoute, papa, j'aurai terminé le lycée dans quelques mois. Alors quoi de mal pour un groupe de jeunes de se réunir pour un pot de vin? Attends, pot de vin? Alors qu'il devrait être à l'école en train d'étudier, c'est ce qui t'intéresse? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute-moi, jeune homme. Je vais dans ma chambre maintenant pour prendre un bain. Et lorsque je reviens, si par malchance pour toi, je croise ta silhouette dans les parages, tu vas me frapper? Non, tu vas me frapper? Vraiment, papa? Tu vois, nous sommes au 21e siècle. Oui, et n'oublie pas que nous sommes en Amérique. Tu ne peux frapper sur des gens. Sinon, tu iras en prison. Vraiment? Bien sûr. Chibike. Tu t'es surnommé Rayford. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne vais pas passer tout le temps que j'ai de libre à aller dans le bureau de ton principal, juste pour réparer tes bêtises. C'était la toute dernière fois. J'en ai marre d'essayer de te sauver. C'est compris? Si tu te retrouves encore à commettre un crime, juste une fois, tu iras droit dans le trou. Tu iras en prison. Tu sais, je n'ai jamais été là pour elle. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Jusqu'à ce qu'elle donne naissance
Et ce petit garçon avait déjà 2 mois. Et lorsque je l'ai appris, dès le moment où je l'ai su, j'ai immédiatement pris l'avion pour le Nigeria depuis New York. Juste pour découvrir que Ma est morte sur son lit d'accouchement. Cette nouvelle était un choc pour moi. Je me suis senti vraiment coupable et j'ai voulu me faire une raison. C'est pourquoi j'ai pris Chibike et ai fait tout mon possible pour lui. Je lui ai donné tout l'amour que je n'ai pas pu donner à sa mère. Je lui ai donné tout ce que je n'ai pas pu donner à sa mère. Absolument tout. Et donc? Parce que... tu n'as pas pu tout donner à sa mère. Et que tu n'as pas pu en même temps épouser la petite amie que tu aimais tant à l'époque. Tu te sens coupable. Et par conséquent, tu as voulu te rattraper sur lui. En voulant te rattraper sur ton fils, tu l'as plutôt gâté. Oui, voici à quoi ça ressemble. Oui. Tu vois ce... Oui, regarde. Ce bâtiment. Oui, et je pense que ce sont des arbres fruitiers derrière moi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Yo, yo, regarde cet homme qui vient derrière moi. Je pense que... Va-tu arrêter ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Supprime ma photo dans ce truc. Supprime mon nom, supprime ma photo, tout ce qui me concerne. Supprime-le maintenant. Mais pourquoi hurlez-vous? Vous allez bien? C'est juste une vidéo. Vidéo mon œil. Vidéo mon œil, regardez-moi celui-ci. Qu'appelles-tu vidéo? Pourquoi me fais-tu une vidéo sans mon consentement? Sans ma permission? Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi êtes-vous si primitif? Je me traite de primitif? Tu m'insultes! Bien, d'accord, je saurai qui sont tes parents. Je vais chercher qui ils sont et je me plaindrai chez eux. Mais regarde-toi! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais dites-moi, mais regardez-moi, pourquoi hurlez-vous? Ce garçon est insolent. Nay, ce garçon est le fils de Monsieur Ernest. Il est très insolent. Ah ouais? Pisseuse, ça ne va pas chez toi? Tu es folle ou quoi? Qui t'a sonné? Dégage! Dégage vite! Attends. Nay. Tu veux dire Ernest? Oui. Hein? Le fils de Machi, celui qui est en Amérique. Mm-hmm. Pas étonnant. Mais de quoi parlez-vous? Hein? De quoi parlez-vous? Quoi? Attends. Je m'en vais. Viens ici. Tu me manques du respect. Ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tous les deux, errent partout. Vous, ils errent tous partout. Et c'est pourquoi je suis allé en Amérique et tu n'as rien appris. Hein? Tu es revenu le cerveau vide. Tu as perdu la tête. Tu as perdu tout sentiment. Tu as tout perdu. Tu as perdu tes sens. Hein? Tu. Viens ici. Viens. Apprends-nous cette chose ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne suis pas ton égal. Mets ta pièce dans la tête. Grand-mère, quelle est la cause de ta colère? Tu es le responsable de ma colère. Maintenant, laisse-moi te dire que le fait qu'on t'ait chouchouté et accepté tous tes caprices n'est pas mon problème. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que je ne vais plus tolérer ça du tout. C'est quoi ces bêtises que tu as faites dans le village en traitant un homme en chapeau rouge de primitif? Oh! C'est juste de ça qu'il s'agit? C'est tout ce que tu as à dire. Il poignard là. Comment est-ce que tu peux me poser ce genre de questions? Tu ne l'as pas fait? Mais grand-mère, c'est lui qui m'a insulté. C'est lui qui m'a offensé en premier. Il m'a traité d'irresponsable. Il a raison, tu es responsable. Pourquoi est-ce que tu te balades dans le village en prenant des photos des gens sans leur permission? Mais... cette attitude est suffisante pour montrer que tu es responsable. Grand-mère, qu'est-ce que ça a à voir avec la responsabilité? Grand-mère, tu sais quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ceci. Je dois partir. Ah bon? Il faut que tu partes. Partir avec quel passeport? Tes documents ont déjà été confisqués. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vois tous ces avantages que j'ai mis à ta disposition parce que tu venais de New York. Maintenant c'est terminé. Parce que je vois très bien que tu t'en fous. Et donc la meilleure manière d'être en bon terme avec toi, bonne nouvelle, tu seras traité comme tout le monde. Et pardon? Tu sais, je vais le dire à ton père. Il sera certainement de mon côté. Oh, vraiment?
il sera de ton côté, n'est-ce pas? Grand-mère, mon père n'est pas comme cet vindicatif barbare africain comme toute autre personne ici. Il a fait des études, il a passé toute sa vie dans un pays occidental. Il ne me frapperait jamais. Monsieur l'Occidental, si ton père ne te frappe pas, je vais te frapper. Et quand je vais finir de te tabasser, je vais frapper tes fesses comme un bébé. Espèce d'idiot. Il est temps que tu respectes les gens autour de toi. Grand-mère, tu en fais tout un plat. Que dis-tu? Non. Maman est trop amusante. Sois la bienvenue, ma fille. Merci, maman. Merci, maman. Tu as vraiment de la chance d'avoir mon fils comme Je sais, maman. Toi-même, regarde. Beau, élégant. Maman, s'il te plaît, arrête de me vanter. Non, comment on dit que la vérité, c'est merci, la vie. Merci, maman. Alors, sois la bienvenue. Merci, maman. Tu es entrée dans une grande famille. Et j'espère que tu vas le rendre heureux. Hein? Tu as compris? Tu prendras soin de lui. Oui, maman. Avec tout ce que j'ai, je le ferai. Ok. Parce que c'est mon seul enfant. Et en même temps, il y a aussi certains repas que mon fils aime. Hein? Tu vois, tu comprends. Reste concentré. Et s'il arrivait qu'un jour il ait faim et que la nourriture ne soit pas prête, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? De toutes les façons, sois la bienvenue, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, de quelle tribu es-tu? Tu ne lui as pas dit? Un problème? Je suis de Kwaibom, maman. Oh, Kwaibom! Tu n'es que bien du gazou fraîche. Ça veut dire que tu sais comment on prépare la sauce à fond, et coin coco. Et non, tout ce que tu voudras, maman. Hey! C'est drôle, mais je n'ai vu Chibike nulle part. Chibike? Chibike est sorti. Oh. Tu sais, il est sorti le matin et c'est tout. Elle espérait le rencontrer. Je ne veux même pas parler. Maman, c'est encore ton petit-fils. Ah oui, oui, oui. Petit-fils biologique. Peut-être qu'il est temps pour elle de nous faire un bon plat. Question de lui faire un petit test. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux manger, maman? Enfin. Pour la vie de ta mère. Mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Oh, waouh, alors je me suis trompé. Oui, tu t'es trompé. Alors, la prononciation n'était pas oui, ça. Bien sûr. D'accord, alors comment dites-vous? Comment tu vas? De cœur, tu sais, cela peut ressembler à une plaisanterie. D'accord. Et aussi une question. Oui. Alors dis simplement, Kidou Kimiri. Je ne pense pas non, que tu peux le prononcer. Non, je ne peux pas le prononcer. C'est trop long et trop compliqué. Oui, parce que c'est pourquoi je préfère la culture du blanc à la nôtre. Tu vois, ils rendent tout simple et court pour votre commodité. Alors, en quoi ce que je viens de dire n'est pas court et simple? Ok, en Amérique, on dit quoi de neuf? Comment tu vas, Char? Comment tu... Non, pas ça. Écoute, regarde, c'est... Vous dites ici... Au Nigeria, comment tu vas? C'est trop long. Oui. Mais nous disons, quoi de neuf? Frère, mais c'est très compliqué. Hein? Non. Tu ne sais juste pas le prononcer. J'ai trop envie de dire Kidou Kimiri, gars. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Quoi de neuf, frère? C'est comme si tu avais quelque chose génial. Dans la gorge, là. Vraiment génial. Oui, j'accepte. C'est bien. Alors? Comment ça se passe à l'université? Pas mal, maman. On fait de notre mieux. J'imagine. Salut, grand-mère. Salut, papa. Salut, ma mignonne. Comment tu vas? Bien. À qui est-ce qu'il s'adressait quand il a dit ma mignonne? À toi. Il sait qu'un jour... Elle sera sa future belle-mère. Il est grand maintenant. Un enfant très stupide. Irrespectueux. Et très insolent. Maman.
Et tu le supportes? Voilà exactement où ça nous a conduits. Tu as passé ton temps à le chouchouter. Alors qu'il avait besoin d'une éducation stricte. Et en plus, tu prends sa défense. Ce sont toutes ces choses qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je ne pense pas que ça soit si grave que ça. Vraiment. Il a juste été incapable d'être un bon père. Raison. Alors, parlant de Chibike, ses récents comportements, c'est quelque chose dont on devrait parler. Qu'aimerais-tu que je fasse? Tu es son père. Tu l'as élevé. Les garçons deviennent tout ce dont tu leur apprends à devenir. Le fait est que je n'ai pas vraiment élevé Chibike. Tu te souviens, je travaillais 7 jours sur 7 et j'ai été tout le temps très fatigué. Il me fallait toujours une nounou pour prendre soin de lui. Et voilà le résumé. Alors tu as choisi qu'une nounou s'occupe de ton seul fils, alors que ta mère pouvait bien le faire? Pourquoi voulait-elle qu'il grandisse au village? Je voulais une meilleure vie pour lui. Il était plus intéressé par la belle vie. Ah. Ton fils a eu tout ce qu'il désirait, mais il a perdu sa santé mentale. Mon garçon a la santé mentale intacte. Ce n'est qu'une phase, elle passera. Ernest, je pense que tu te trouves des excuses pour ce garçon. Tu connais la vérité. Maman a dit que tu prévois le laisser ici. C'est vrai? Eh bien, je réfléchis encore sur le sujet. Je n'ai pas encore pris ma décision. Que vas-tu faire maintenant? Parce que ce garçon a besoin de certaines valeurs familiales et des valeurs morales inculquées en lui. Rayford, il ne te reste qu'une seule option. Et si je choisis cette option, c'est à genoux que tu me supplieras. Explique-moi pourquoi tu prends de la drogue. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Ray, peux-tu imaginer cela? Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai essayé de faire pratiquement tout ce qui est à mon pouvoir, mais qu'est-ce que tu me ramènes? Fumer de la drogue? Tu sais quoi? Je vais te laisser pourrir dans ce pays. Dégage, sors, sors d'ici. J'ai dit dégage. Calme-toi, s'il te plaît. C'est qui? Papa, c'est moi. Qu'y a-t-il? Nous devons parler, papa. Tu n'as pas besoin de couper court ici, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de couper court. Je veux parler à mon père. Alors fais très vite parce que je suis très occupé en ce moment. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu comptais prendre une autre femme? Je ne te donne aucune explication. Alors, nous en sommes là? Vanessa, prenez soin de toi. Lorsque tu étais encore un tout petit bébé, avant New York. Mais il est clair que ton cerveau rempli de stupéfiants et autres t'empêche de t'en souvenir. La drogue t'a rendu inconscient. Papa, ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est... Le sujet est que je me marie à Vanessa. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Encore moins quelqu'un d'autre. Et quand comptais-tu me le dire? Jamais. Si monsieur n'a plus rien à dire, sors de ma chambre.
Maman. Oui. Vu la tournure où vont les choses, j'ai honnêtement peur. Peur de quoi? Maman, qu'en est-il si ce garçon devient un grand danger pour mon mari et moi? Il ne le sera pas. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Ce garçon n'a pas tous ses sens, maman. Il devient de plus en plus arrogant et incontrôlable. Ne vois-tu pas comment il s'adresse à ta ménagère? Oui, je sais, je vois tout. Mais je sais qu'il ne sera pas un problème. Maman, qu'est-ce qui te fait être si certaine? Il semblerait que tu ne vois pas ce que je vois. L'avenir... Je le vois très bien. Mais je crois qu'il ne sera pas un problème. Fais-moi confiance. Alors, tu t'en vas? Il est déjà 16 heures. Je pensais que tu as dit que ton frère voudrait que tu fasses une course. Écoute, mon frère, il peut attendre. Il a ses apprentis là-bas. Il peut envoyer un. En parlant de ton frère, que fait-il exactement? Tu parles toujours de ses apprentis quand son nom est mentionné dans notre conversation. Eh, mon frère est un mécanicien. Et oui, il est bon dans ça. Parce que les gens d'ici, et même d'ailleurs, demandent après lui. Je vois, c'est bien. Génial. Tu sais quoi? J'aimerais bien le rencontrer un de ces jours. Voir qui? Mon frère? Oui. Non. Pourquoi? Ça sera sympa. Ce serait cool pour toi. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Vraiment? Pourquoi? Mon frère te dira les choses terribles me concernant. Des choses terribles comme... Quoi? Écoute, genre, comment j'ai refusé d'aller au lycée? Comment mes égos sont mieux que moi? Comment je me balade dans tout le village, faisant du n'importe quoi, fumant? Écoute, toutes ces choses sont des mensonges, elles ne sont pas vraies. D'accord, relax, Chuck. Prends-le calmement. Je veux te poser une question. Regarde, tu peux tout me poser, mais s'il te plaît, je t'en supplie, ne le prononce pas. Lequel de ces choses n'est pas vrai? Je savais que tu t'attendais à quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'étais prêt à te donner un coup de poing. Je sais, j'étais mais... J'étais vraiment prêt à te donner un coup de poing. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Je t'ai eu, pas vrai? Où est Vanessa? Elle est allée voir ses parents. Elle t'a dit quelque chose. Quelque chose comme quoi? Quelque chose, comme quelque chose. Elle t'a dit quelque chose avant de partir. Maman, que veux-tu dire par quelque chose? Si tu es au courant d'un truc, tout ce que tu as à faire, c'est de me le dire simplement. D'accord, je vais te le dire. Elle n'est pas heureuse. Elle est inquiète et a peur de ton fils. Quoi? Elle ne sait pas comment ça va se terminer. Pourquoi on revient encore et encore sur ce garçon? Je veux dire, il a déjà 18 ans. 18 ans? Seulement 18 ans. Il n'aura pas 18 ans toute sa vie. Et en plus, j'ai entendu dire qu'en Amérique, même les enfants de moins de 18 ans portent des armes. Mon fils n'est pas un jeune Américain. Redis-le encore. C'est pourtant l'éducation que tu lui as donnée, celle d'un Américain. Et pour ton information, je vais être claire. Si je supporte encore les caprices de ce garçon, c'est premièrement parce que c'est ton fils. Et deuxièmement, parce qu'il vient d'arriver. C'est pourquoi je suis encore un peu douce avec lui. Mais très bientôt, la musique va changer. La musique va changer. Et qu'est-ce que tu vas faire à mon enfant? Je vais le traiter de telle sorte qu'il saura que la vie n'est pas faite que de roses. Tu as une autre idée peut-être pour que ton fils change de manière? Bien, tu n'as pas d'idée. Ta mère a un plan pour ton fils. Wow! J'y étais presque. J'y étais vraiment presque. Tu penses que parce que tu viens de l'Amérique? Bien sûr, bien sûr. D'accord. J'ai encore des réflexes. Oui! Waouh! Seigneur, pitié! Regarde, frère. Oui? En parlant même, j'ai vu la femme de ton père dehors quand je suis entré. Mais mec, elle est très belle. Ah! Il semblerait que je sois le seul ici à avoir une bonne vue pour dire qu'il n'y a rien de beau chez cette femme. Ah, c'est vrai.
Sais-tu que je n'ai pas aimé la façon dont tu lui as parlé lors du mariage traditionnel? Tu lui as pratiquement fait honte devant tout le monde. Écoute, je me dois de faire une muraille pour que je sois respecté et mon opinion aussi soit prise en compte. Parce que si je ne suis pas respecté, ils me traiteront comme de la poubelle. C'est ça. Et je pensais que ton père allait te tuer ce jour, gars. Parce que, de toute façon, tu lui as mis la honte. Eh bien, tout ce qu'il a eu à faire, c'était de me sermonner, c'est tout. Ah, juste ça? Attends, qu'espères-tu? Tu penses qu'il me frapperait? Il me frappe jamais. Tu as traité sa femme de prostituée devant tout le monde le jour du mariage, frère. Écoute, ça fait 3 mois, mec. Ça fait 3 putains de mois. Peux-tu oublier ça et qu'on se concentre sur ce jeu? D'accord, d'accord. Avant que tu ne dises que je te fais perdre le jeu, frère, viens, je vais te battre. Je ne joue plus. Tu as gâché mon humeur. Regarde-toi, quand je gagne déjà, tu veux déjà fuir. Allez, joue là-bas, frère. C'est parce que je gagne que tu veux déjà fuir. Je te l'ai dit. Joue. Je te l'ai dit. C'est à ton tour de jouer, frère. Hein? Je vais te gagner. Je vais te renvoyer d'où tu sors. Je te dis, je vais te renvoyer d'où tu sors. Nyeloum. Nyeloum. Oui, grand-mère. Oui, je ne suis pas là, je suis en train de sortir. Je vais à l'arc, ok? D'accord, grand-mère. Quand tu auras fini de préparer, s'il te plaît, mets-en un peu dans le thermos. D'accord, je comprends. D'accord? Ok. Grand-mère. Je t'écoute. S'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que Tibike sait où tu as caché le téléphone. Il pourrait entrer dans ta chambre et le prendre. Tu penses qu'il sait où je l'ai caché? Je ne suis pas très sûre de ça, grand-mère. Tu n'as pas besoin de te répéter. Je vais aller le cacher à un autre endroit. Bon, après alors, je vais à la réunion. Ok, bye bye. À plus tard. Salut. Ne penses-tu pas que tu devrais baisser la garde? Baisser la garde en quoi exactement? Cette attitude arrogante que tu as. Ça ne te va pas bien. Mais j'ai un meilleur conseil pour toi. Dis-moi, pourquoi ne pas t'occuper de tes oignons? Ne me touche pas. Merci. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si révolté envers tout le monde? Je veux que tu restes si loin de moi. Et si tu n'as rien à faire, pourquoi ne pas rejoindre ton mari? Merci. Igigagemji Wogo jigumno Imigagemji. Non. Salut, maman. Pas si vite. Attends, viens. Je n'ai pas vu ta femme depuis ce matin. Où est-elle? Elle est au salon de coiffure. Je la retrouve. Ah. Tu es en train d'aller au salon pour prendre ta femme? Okini, ça veut dire quoi, hein? Tu es obligé de la suivre partout où elle va. Je ne la suis pas partout où elle va. Elle a fini de se coiffer. Je vais juste la chercher. Ok. Non. Quand retournes-tu à New York? Maman, je vais bientôt rentrer. Es-tu déjà lassée de moi? Tu veux déjà que je parte? Non! Tu es mon seul fils, je ne peux pas me fatiguer de toi. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je réfléchissais à propos de... Tu me fais confiance? Bien sûr, maman, je te fais confiance. Alors, rappelle-toi de ce dont on était en train de parler, ce dont on discutait hier. Oh oui, oui maman. Mais... je ne me suis pas encore fait à l'idée. Mais... Pourquoi? Je veux dire maman, ce ne sont plus les années 80, 90 ou alors 2000 quand tu étais encore jeune. Non, non, attends. Tu essaies de me dire que j'en suis incapable. Non maman, je n'ai pas dit ça. Non, parce qu'avant que tu ne t'en rendes compte, je peux monter dans cette voiture plus vite que ton fils. Alors pourquoi tu crois que j'en suis incapable? C'est bon. C'est juste que je m'inquiète beaucoup pour toi. Mon fils, fais-moi confiance. Fais confiance à ta mère. Ok.
Viens. Je n'ai pas encore accepté. Je n'ai pas dit oui. Je préfère te laisser le bénéfice du doute. Mmh. Oui. Le genre de oui pour faire plaisir à sa mère. Ok, je connais mon fils. Allez, va chercher ta femme. D'accord, plus tard. Mais s'il te plaît, reste dans la voiture et tu l'appelles. Hein. N'entre pas dans le salon. Oh, faudrait pas que les gens disent qu'elle t'a envoûté. Hey, le dit fils de sa mère. No matter how old we grow, we can never outgrow them. Their love is contagious, their anger is swift, but their love is consoling. They held us till we are grown and still love us to say. Nielum! 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 Oui, Toi, tu n'as pas seulement perdu ta santé mentale, je te dis. Tu as perdu le sens de lui. Tu es sourde? Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Tu ne peux pas répondre? Pourquoi est-ce que tu crains? Je faisais quelque chose pour grand-mère. Hé! Hey! Comment oses-tu? N'oses-tu jamais me répondre quand je te parle? Tu es folle! Apprête mon dîner! Mais bon rêve! Elle ne va pas te faire à manger. Comment est-ce que tu as osé poser tes sales mains sur une jeune fille? Grand-mère, je lui ai demandé d'apprêter mon dîner et elle retardait. Maintenant, présente tes excuses tout de suite. Oh, Seigneur, moi, demander des excuses à cette sale laide chose, jamais de la vie. Tant que je vivrai, tu ne mangeras plus rien dans cette maison. Et quant à toi, ne lui donne même plus un morceau de viande tant que je ne t'en ai pas donné l'ordre. Mais où est mon père? Je dois lui parler. J'en ai marre de rester dans ce village de merde. Au cas où tu ne le saurais pas, mon garçon, tu es pris au piège. L'enfer ne fait que commencer. Toi aussi, calme-toi, non? Hein? Ça va. Tu as trop mal. Attends. Papa! Papa, m'entends-tu? Est-ce que tu es là? Papa, nous devons parler. Papa! Tu sais, pour que les escargots soient bons, quand tu les prépares, il faut que tu fasses frire les oignons et pas bouillir. Parce que quand tu prends le temps de bouillir, c'est... Hé! Hey, salut, grand-mère. Nielum, je veux que tu me prépares quelque chose à manger. Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire par « salut, grand-mère » Qu'est-ce que je suis supposé dire? On ne t'a pas appris les bonnes manières. Tu ne sais pas comment saluer les aînés. Ton père t'a dit que c'est comme ça que je l'ai éduqué. Il est clair que je ne suis pas mon père. Ok, et d'ailleurs, nous avons expérimenté différentes civilisations. Des civilisations différentes? Waouh! Donc c'est ta civilisation qui t'a appris à être irresponsable et stupide comme tu l'es. C'est ce que tu veux me dire? Je ne m'adressais pas à toi de toute façon. Je parlais à Nielum. Je ne m'appelle pas Nielum. Tu vas te taire? Je te parle à toi. S'il te plaît, mijote-moi quelque chose. Ferme-moi ta bouche. Comment es-tu? Non, mais regarde-toi. Monsieur le New-Yorkais ou de la nouvelle civilisation. Peu importe la terminologie. Tu ne mangeras plus dans cette maison. Tant que tu n'auras pas compris que tu n'es plus aux États-Unis ici. Maintenant, tu es dans un village ordinaire du Nigeria. Un village qui s'avère être... village. Essaies-tu de me priver de nourriture ou quoi? Hein? Tu vas la fermer. Au cas où ton père ne te l'a pas dit, je ne tolère pas les bêtises. Et c'est non négociable. Et tu sais quoi? Ton séjour ici en tant que visiteur est terminé. Maintenant, tu vas danser la musique. Ressentir de la musique? Mais quelle musique? Mais quelle? Tu n'écoutes même pas de musique. Il n'y a rien de glorifié sur les noirs malades et non civilisés. Dégage de ma vue. Avant que je ne te fasse un truc que je vais regretter. Je dois parler à mon père parce que je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je dois parler avec lui. Je dois discuter avec lui. Regarde-toi. Un enfant pourri gâté. Plein nichard. Je vais parler à mon père. Tu n'as pas honte à ton âge. Tu veux parler à ton père pour te plaindre. Tu n'as encore rien vu. Je vais m'occuper de ton cas, mon ami. Ça veut dire quoi, ça?
Un enfant insolent. Enfant gâté. Mais il va voir. Passez-moi, viens me sortir de cette maison de merde. Tu sais, je ne voulais pas en arriver là hier. Ok? Je ne voulais pas... j'ai faim, d'accord? Juste, j'ai une faim dévorante. Peux-tu me préparer... quelque chose? Est-ce que c'est supposé être des excuses? Grand-mère a dit que tu dois demander les excuses. Tu es sérieuse là? Qu'est-ce que je viens de faire? Dois-je te faire des louanges? Tu vois le mon problème avec toi? Tu n'es pas gentil, très hautain, très vulgaire. Mais même tes excuses sont toujours fausses. Mais c'est pas moi qui commande cette maison. Si tu as besoin de quelque chose, va voir ta grand-mère. Écoute, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Dis-moi si je peux t'aider, s'il te plaît. Non, merci. Ah, j'ai faim. J'ai faim. Oui. Je comprends. Ok, le jour où tu fixes la date, fais-le-moi savoir. Où est mon père? Je te rappelle. Quel est le problème avec toi? Tu ne sais pas dire bonjour. Et toi, que veux-tu? Dis-moi. Tu es fou? Comment oses-tu me parler comme ça? Laisse-moi t'informer. Ton père que tu cherches depuis a voyagé il y a de cela 2 jours pour New York avec sa femme. Pardon? Que viens-tu de vomir? Et c'est comme ça que tu me parles? Tu as perdu tes sens? Comment oses-tu poser cette vieille main écrasseuse sur mon visage? Tu veux que je t'en donne une autre? Avec plaisir. Toi, vieille sorcière, je vais appeler la police pour toi. Je vais envoyer ton putain de peau de vache en prison. Je vais le faire, je vais y aller. Hein? Arrête, pitié, lâche-moi, arrête, lâche-moi. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Oh mon Dieu, arrête, arrête. Aïe, que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Nieloum, viens m'aider. Vas-y, vas-y. Commence à mettre. Aïe! Mets ça. Aïe. Mets au niveau de sa tête. Oui, oui. Oh mon yeux. Dieu, qu'est-ce allez, que allez. C'est? Qu'est-ce que c'est? C'est bien, n'oublie pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mes yeux? Ça brûle! J'ai besoin c'est d'eau! Fait. S'il vous plaît, de l'eau! Où est-ce que tu trouves la force d'insulter les aînés? J'ai oui. besoin d'eau! Il faut qu'on te fasse cela. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'eau! Exactement! C'est qui est sûr? Elle a tout planifié avec mon père! Il m'a abandonné dans ce village de merde et il est retourné à New York. Exactement. Il m'a laissé entre les mains de sa vieille et sorcière de mère pour qu'elle me tourmente et me tue. Écoute, tu ne peux, tout mon corps est en feu. C'est comme si j'étais en enfer. Écoute, je vais te rappeler. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Oh mon Dieu. Oh. Ça c'est grave. Oh mon Dieu. C'est vraiment grave. Ah. Oh. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Hein? Cette. Ah. Oh. Benyelum, pourquoi tu n'as pas fait la lessive? Grand-mère, je suis désolée, le soleil est très fort. Avec cette bagarre que je viens de faire avec cet enfant, je suis épuisée. Où est-il? Grand-mère, il est dans sa chambre, il dort. Ah, ah. Oh. Ça veut dire que ce n'est pas le piment du Cameroun que tu as acheté. Grand-mère, tu veux le tuer? Oh. J'ai vu là, il causait avec son ami, puis il est allé se coucher dans sa chambre.
Il a de la chance. Si ça avait été le piment du Cameroun, il ne serait pas en train de dormir. Les élans ne lui a rien fait. Au point, il est même capable de dormir. En tout cas, qu'il dorme. La prochaine fois, il va retenir la leçon. Grand-mère. Il a beaucoup faim. Tu sais que depuis hier, il n'a pas mangé. Il faut qu'il mange quelque chose. Et s'il l'appelait son père? Il ne se passe rien ici sans que son père ne soit au courant. Mais il n'est pas au courant du manque de nourriture et du piment que tu l'as appliqué hier soir. Ah bon, je ne lui ai pas dit. Son père n'est pas au courant de tout. Et qu'en est-il s'il l'appelait? Ça, c'est impossible. Il ne pourra jamais joindre son père. Ni quelqu'un qui soit proche de lui. Son père a changé de numéro. Ok, grand-mère. Ce garçon va mourir. Tu sais, la famine a cette façon fait évanouir les gens. Comme la dernière fois, j'ai failli m'évanouir parce que j'avais très faim. Ah, bien, 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 Nico. Arrête avec cette histoire de mes yeux tournés, tournés, tournés. Écoute, va plutôt chercher le haricot que tu as envoyé écraser. Miko, je vais préparer le moi-moi aujourd'hui. Ah, tu sais qu'il n'est pas le moi-moi, non? Il va encore faire une journée sans manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Lève-toi! Tu as besoin de faire du sport. Me demande l'argent pour le cake. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'argent ici. Mais frère, c'est quoi ça? Mais attends un peu, dis-moi, c'est quoi? Juste parce que je t'ai pris cet objet inutile? Et tu donnes l'impression que je t'ai pris le ciel? Hein? Maintenant que tu ne me donnes plus de l'argent, comment puis-je faire pour avoir mon propre argent? C'est le formulaire que je t'ai demandé d'aller chercher. Frère, c'est pour te dire ceci, hein? L'école n'est pas faite pour moi. Je ne suis pas fait pour l'école, hein? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Tu sais très bien que je t'ai donné de l'argent pour ce formulaire plus de 7 fois. Et tout ce que tu as fait, c'est l'utiliser pour t'acheter cette herbe de merde. C'est pour te faire comprendre que je ne suis pas doué pour ces choses. Je t'ai dit ce que je veux faire dans ma vie. Écoute frère, ne pense pas que je vais venir faire cette mécanique chiante. Je ne vais jamais essayer ces bêtises. Chukwuemeka, fais très attention à moi. Sais-tu que je peux appeler la police pour te faire arrêter? Je te préviens, méfie-toi de moi. Frère, toi, tu vas m'arrêter. Frère, tu vas m'arrêter, je te jure, hein. Si tu essaies ces bêtises sur moi, si je ne brûle pas cet atelier, et toi à l'intérieur, appelle-moi bâtard. Regarde, ennemi du progrès. Quel progrès? De quel progrès tu parles? Est-ce le fait de voler mon argent pour t'acheter cette herbe de merde que tu appelles progrès? Et là où ce progrès? Oui. Espèce de fou. Oui, je suis fou. T'es qu'un fou. Je suis un fou. Écoute, Chukwuemeka, tu es un fumeur d'herbe stupide, immonde. Un fou immonde, oui. Tu n'es qu'un stupide, frère. Qui es-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Rayford, l'ami de Chuck. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à un autre endroit habituel et tu n'étais nulle part. Mais tu devais m'attendre jusqu'à ce que je vienne. Je ne savais pas que c'était le plan. Écoute, tu as l'air vraiment responsable et de prendre bien soin de toi. Pour vouloir traîner avec cette stupide fumeur d'herbe. Que fais-tu avec lui? Eh bien, apparemment, j'aime traîner avec les fumeurs inutiles. De chanvre. Eh bien, dans ce cas, fous le camp de mon atelier. Dégage de mon atelier. N'essaie plus jamais ces conneries là. Je vous demande de foutre de l'argent pour moi. Dégage. Parce que... Dégage d'ici. Viens me frapper. Rayford, tu es mon seul petit-fils. Et je t'aime. Pourtant, tu m'as donné un bain de piment. Oh, mais ça ne t'a pas tué. Oh, waouh. Donc l'idée était de me tuer, n'est-ce pas? L'idée était de te donner une leçon. En tout cas, passons dessus. Il y a une chose dont je voudrais parler avec toi. Désormais. Si tu sors de cette maison le matin, tu dois être rentré au plus tard à 16 heures. Oui. Et si tu constates qu'il est plus de 16 heures, reste simplement où tu étais. Parce que je ne vais pas te laisser entrer. Et même si tu t'entêtes à revenir de je ne sais où, tu auras passé toute ta journée. Tu vas tout de même y retourner. Tu me détestes. As-tu entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris? Oui. Et n'essaye surtout pas d'appeler ton père. Parce que tu ne pourras pas le joindre. Actuellement, il se trouve dans une zone vraiment très, très inaccessible pour recevoir un quelconque appel. Ok? Aucun problème. Grand-mère. Oui? Le repas est prêt.
Ah, ok. Je te rejoins dans 5 minutes. Grand-mère, le téléphone. Quoi? Te servir mon œil. Je ne viens pas de manger. Écoute, frère, tu dois avoir un test du traitement africain, pas vrai? Donc ceci est amusant, hein? Écoute, hier j'étais dans une position critique. Écoute, imagine être compressé dans un endroit et avoir le poids de ma grand-mère sur toi. Dis-moi si tu vas encore rigoler après ça. Écoute, donc tu veux dire que ton père t'a laissé? C'est même ça, il m'a laissé entre les mains de cette vieille sorcière. Non, écoute, tu ne traites pas ta grand-mère de sorcière. Elle n'est pas une sorcière, c'est ta grand-mère. Et c'est un tabou de manquer de respect dans notre village. Je m'en fiche, je n'accorde pas d'importance à ça, ok? C'est ma grand-mère, oui. Mais comment peut-elle battre son petit-fils avec du piment? Ça, c'est barbare. Mon père doit m'expliquer cette partie. Et maintenant qu'on parle de ton père, qu'en est-il de lui? Depuis qu'on m'a dit qu'il est retourné à New York, je n'ai pas réussi à le joindre. Aucun moyen. J'ai déjà tout essayé. À bien y penser, pourquoi ton père partirait pour New York avec sa femme et t'empêcherait de les rejoindre? C'est le but. Je ne sais pas pourquoi mon père, il est méchant avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais arrête ça. Pourquoi tu pleures? T'es un homme ne pleure pas. Arrête ça. D'accord? Arrête ça. Dis-moi, tu mangeais? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Cette vieille sorcière me l'a privé. Je t'ai dit de ne pas traiter ta grand-mère de sorcière. Ne la traite pas de sorcière, ok? Je pense que je vais te trouver quelque chose. Tu as l'air de quelqu'un qui va mourir, ok? Qui est là? Entre. Que veux-tu? S'il te plaît, je veux être seul dans ma chambre. S'il te plaît, sors! J'ai besoin de te parler. Je ne suis pas d'humeur à parler à quelqu'un. S'il te plaît! Je suis ton aîné d'un an. Et ça sera très gentil que tu m'écoutes. Écoute, je suis restée plus que quiconque avec ta grand-mère. Et aussi avec ton père. Alors, comment me comporter? Tu es impoli. Et très amoureux. Maintenant, écoute-moi! Non, toi, écoute-moi! C'est quoi ton problème? Et c'est quoi cette impolitesse? Vois-tu comment tu t'adresses à cette femme? Même si on t'a pas appris le respect, la sagesse au moins voudrait que tu la respectes. Grand-mère, tu n'as pas à faire ça. Je l'ai acheté avec mon argent. Et donc, tu veux me lâcher? Non, je dis juste que je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Alors, j'ai acheté avec mon argent. J'ai faim. Tu l'as acheté avec ton argent? Alors, pourquoi tu ne l'as pas préparé là où tu l'as acheté avec ton argent? Pas de ça dans ma maison. Grand-mère, je pensais qu'on était déjà... Amis? Oui. Comment est-ce qu'on peut être des amis? Quand tu passes ton temps à te pavaner partout, jamais nous ne serons des amis. Tant que tu n'as pas changé. Je suis désolée. C'est trop tard. Je vais fermer en sortant. Quand tu voudras sortir, n'oublie pas de fermer après toi. Ce n'est pas juste, s'il te plaît. Grand-mère, tu dis qu'il est entré à la cuisine? À 7 h de la nuit? Le stupide garçon ne savait pas que j'étais au courant, qu'il était en possession des clés. Mais le trousseau était dans sa chambre. Oh, pauvre de lui.
Grand-mère, il doit extrêmement avoir faim pour qu'il aille à la cuisine à 7 heures de la nuit. Je pense qu'il a appris la leçon. Ben non, il n'a encore rien appris. Il faut qu'il apprenne davantage. Ne t'inquiète pas pour lui. Tu disais que son père avait besoin de lui parler et tu vas lui permettre? Écoute, tant que ce garçon n'a pas encore la forme que je veux, même son père ne pourra pas lui parler. Oh. Grand, mais ce garçon va fuir. Hein? Il va fuir. Non, c'est pas possible. Avant que cette idée ne lui traverse l'esprit, je serai déjà au courant. C'est mon petit-fils. Le même sang coule dans nos veines. Oui, et j'ai de l'avance sur lui en toutes choses. Et avec quelle pièce qu'il va courir? C'est juste que je n'ai pas assez de force pour aller le chercher. Je n'ai pas assez de force pour aller le chercher. Oh. C'est pour ça que je parle quand il est encore là. Il n'a pas à le chercher. Quand il verra que c'est la jungle là-bas, il va revenir. Alors, comment a-t-elle su? Est-elle une sorcière, comme tu l'as dit? Je ne sais pas. Ma grand-mère est vraiment préparée. Je ne sais pas ce qu'elle prévoit. Tu veux que je m'occupe d'elle? T'occuper d'elle comment? Comme l'affronter? Non, 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 non. Ne fais pas ça. Je vais m'en occuper. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, oui. Je vais envoyer son putain de cul en prison pour toutes les choses barbares et inhumaines qu'elle m'a faites. Et cela ressemble à une menace qui ne va jamais aboutir. Garde les doigts croisés. Alors maintenant, que comptes-tu faire? J'ai un plan. Grand-mère, j'ai besoin... Tu vas dégager de ma vue. Grand-mère, il était là pour s'excuser. La seconde phase du plan a débuté. Grand-mère, c'est quoi le plan, non? Ne fais pas comme ça à ton petit-fils. Mon fils est au courant de tout ce que je fais. Retourne à tes casseroles, paresseuse. N'importe quoi. Je t'ai demandé et tu ne m'as pas répondu. Alors j'ai demandé à mon Dieu et il m'a répondu. J'ai fini. Oh, excuse-moi. Je voulais te poser cette question qui me tourmente dans l'esprit. Quelle est la signification de ton nom? Binyelum. Ça veut dire reste avec moi. Waouh, quel joli nom. Joli. Peux-tu, s'il te plaît, me faire plaisir de ton nom? De quoi s'agit-il? Je veux dire, reste avec moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. J'ai une question à te poser. Je trouve que tu as beaucoup changé. Alors pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, que s'est-il réellement passé? Eh bien, il arrive des fois où on se lasse de bagarrer. Oui. Et je pense qu'il est temps que j'essaye d'être en bon terme avec ma grand-mère. Ça, c'est très bien. Ceci me rappelle. Chaque fois que tu auras besoin d'une aide à la maison, appelle-moi. Hey! Jéhovah,
S'il te plaît, lève-toi, je veux faire la lessive. Non, pas aujourd'hui. Demain ou un autre jour, mais pas aujourd'hui. Tu sais, je te disais ça juste pour que tu sois au courant. Demain. Demain, s'il te plaît. Hey! Merci, Seigneur. Une fille gentille. Ernest, du calme. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton fils va bien. Il fait de son mieux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh oui, il va très bien. Eh bien, nous devons juste le ramener sur le droit chemin. C'est tout. Ernest, écoute-moi. Bonjour, grand-mère. S'il te plaît, je peux te parler un instant? Donc, comme je disais, ok, il entre de bonnes mains. Et ces bonnes mains, je veux dire, prennent bien soin de lui. Il est entre de bonnes mains. Tu n'as pas à t'inquiéter. TBK va bien. Hein? Encore, mais... Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. À la fin, tu seras très fière de lui. Bignalum! Bignalum! Oui, grand-mère. Ah, combien de fois devrais-je t'appeler avant que tu ne répondes? Il faut toujours que je crie d'abord. Tu commences même déjà à oublier ta position dans cette maison. Où est-il, Béké? Il dort, grand-mère. Il dort quoi? Il dort à 7h de la journée? Va lui dire que je veux le voir. Maintenant, dépêche-toi. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes? Où ça, tu es tout le temps en train de regarder partout. Ce qu'il faut que tu regardes, tu refuses. Imbécile. Désolée, grand-mère, je ne voulais pas t'offenser. Avant de t'asseoir, tu attends l'autorisation. Désolée. Bignalum m'a dit que tu voulais discuter de quelque chose avec moi. En fait, le frère de mon ami, le frère de Chuck. Hey! Tu parles de ce brigand que tu as ramené chez moi l'autre jour. Mais tu n'es pas venu ici pour me parler de lui, n'est-ce pas? Ok, continue. Son frère gère un atelier de mécanique. Et j'ai vraiment envie d'apprendre. Timo, amour benekonke. Tu veux être mécanicien? Oui, et c'est quelque chose que je voulais faire dès mon retour à New York. En plus, j'ai quelques connaissances en pièces automobiles. Oui, je veux faire ça. Bon, c'est une bonne chose. Mais j'espère que tu n'es pas en train de me mentir. Parce que vous, en Amérique, là, vous mentez trop. J'espère que tu n'es pas en train Cette de me mentir. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Hein? Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Il faut vraiment que ça soit pour de vrai. Parce que si ce n'est pas pour de vrai, je vais te montrer le fait. Mais bon, félicitations. Merci. Hein? C'est Merci. Une bonne idée. Merci. S'il te plaît, puis-je en avoir? Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, prends-en une. Et apporte-moi un couteau à l'intérieur pour que je l'ai plus. Je peux me débrouiller. Ok, c'est bien. Va te débrouiller. Et viens me débrouiller. Nieloum. Biala. Nieloum. Nieloum. Ton Américain. Tu connais cette chanson? C'est une chanson qu'on chantait quand on était jeune. Kanje beze kunaka kan kini tubo tuni. Oh oh. Bonsoir, grand-mère. Mon petit-fils est rentré. Comment tu vas? Quel vent beau. Merci. Merci, grand-mère. Comment était le travail aujourd'hui? Le travail était bien, juste le stress, mais je vais bien. Je savais grand-mère, que tu... J'ai faim. Ce n'est pas un problème. Hein?
Daniel, on m'est si présente à préparer ton merci. Préféré. Va te servir. Oh oui, je peux en fait me servir, oui, ok? Oui, 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 il n'y a pas d'accord, de problème. D'accord, grand-mère, je mais t'aime. Mais après que tu as okay. pris ton bain. Merci, Niloum. Tu veux qu'il finisse la nourriture? Mm-hmm. Tu vas encore faire la cuisine. Bonsoir, Ernest. C'est une bonne chose que tu as appelé. Parce que j'ai hâte de te dire ce que ma bouche a envie de te raconter. De quoi tu sais hâte de parler, maman? Mon petit-fils a changé. Honnêtement, je veux dire, il est devenu un mécanicien professionnel. Tu sais, il se lève maintenant le matin pour le travail avec une tenue propre et repassée. Et le soir, il rentre tôt avec toujours cette apparence propre. Incroyable, incroyable. Il a vraiment changé. Attends quand tu vas le voir. Patron, Ma, tu fais appeler. Oui, oui. Rayford, j'ai remarqué les efforts et aussi l'enthousiasme que tu mets dans ce que tu apprends ici. J'avoue que je suis très fier de toi. Mais honnêtement, je suis surpris. Surpris par quoi, monsieur? Mon petit frère est ton ami. Pendant que tu as décidé de donner un sens à ta vie, mon petit frère, lui, languit toujours dans le gouffre de la drogue et du vol. Je suis content que tu aies changé de vie. Merci beaucoup, monsieur. Si je peux me le permettre, qu'est-ce qui t'a motivé? Ma grand-mère, ma source, c'est elle. Elle m'a fait réaliser que, sérieusement, on peut faire tout ce qu'on veut, quelle que soit l'ampleur des circonstances. Voyez-vous, monsieur, j'ai été élevé par différents nounous avec mon père allant d'un travail à un autre. Et quand j'étais petit, je pensais que je pouvais avoir tout ce que je voulais. Et mon père s'est rassuré que j'ai tout ce dont je veux. Alors, quand je suis rentré au Nigeria, eh bien, ma grand-mère m'a fait voir les choses autrement. Ma manière de parler, mon comportement avec les gens, tout ce qui pouvait me faire changer. Alors, ma grand-mère m'a motivé. Elle est mon héroïne. Wow. Sincèrement, je suis très heureux pour toi. Je suis très content pour toi. Et je veux dire, ta présence ici a vraiment rendu mon travail très facile et moins stressant. Donc, monsieur, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je vous suis reconnaissant pour une si belle opportunité de travailler avec vous. Mais je t'en prie. Et autre chose, même en travaillant, tu es toujours très propre. Eh bien ça, vous savez, là-bas en Amérique, ceux qui sont spécialisés dans la réparation des automobiles, ils sont toujours très propres. Tu n'as pas besoin d'être sale et négligé pour prouver que tu es mécanicien. Donc, si tu vois un blond aller travailler, tu souhaiterais faire le même travail que lui. Donc, c'est là où j'ai copié. Donc, tu es le reflet de l'homme blanc ici au Nigeria? Non, pas vraiment, mais c'est bien de l'être. Oh, très bien. Sincèrement, je suis fier de toi. Très fier de toi. Alors, tu partages avec moi? Non, monsieur, je dois aller remettre la voiture. Je dois le faire maintenant. Oh, d'accord, d'accord. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Mon fils. Oui, maman. Je suis venue te remercier pour avoir participé à la transformation de mon petit-fils. C'est clair, c'est une meilleure personne maintenant. Maman, tu sais, c'est à moi de te remercier. Je ne l'aurais pas eu comme une bénédiction, sans compter sur la motivation que tu lui as donnée. Il me l'a dit, il a dit ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est grâce à la motivation que tu lui as donnée.
Il a dit ça? Oui. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Donc ça veut dire qu'il se débrouille bien? Ah, je veux dire, en moins de 6 mois. Honnêtement, Rayford a dépassé nos attentes. Waouh. Il n'y a pas de voiture qui entre dans cet atelier que Clifford ne peut réparer. Vraiment? Il fait beaucoup mieux que ses égaux dans ce village. Peu importe ce que tu fais, il est curieux. Peu importe ce que tu fais, il regarde. Et dès que tu tournes le dos, il refait la même chose. Oh, je suis très fière de lui. Tu sais, la première chose qu'il fait le matin quand il se réveille, il porte son uniforme et puis il s'en va. Et le soir, quand il rentre, il a toujours l'énergie pour faire quelque chose. Non, je suis très fière de lui. Il fait ma joie. Ah oui, Rayford rend tout le monde heureux. Nous sommes si fiers de lui. Tout le monde parle de lui ici. En parlant de lui, depuis que je suis là, je ne l'ai pas encore vu. Ah. Où est-il? Il est sorti. Il est allé rendre la voiture de l'un de nos clients. Ça veut dire qu'il sait déjà conduire? J'ai dit que ce garçon est très intelligent. Il fait des choses extrêmement... Je veux dire, au-delà de ce que tu peux... Il est tellement intelligent. C'est incroyable. Je suis contente. Ah, il est bon. Ah. Calme-toi, calme-toi. Essaies-tu de me dire que Christophe avait une relation avec Laurie? Attends, depuis combien de temps cela dure? Quoi? Ça fait déjà un an? Comment? Bien avant que je ne quitte New York? Oh. C'est... Exactement. Pas étonnant qu'elle ne m'appelait plus. Je te rappelle après. J'ai besoin de me reposer. Merci. Qui sait? Entre. Bonjour. C'est toi? Salut. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Veux-tu en parler? Qui est-il? Je viens de découvrir que ma petite amie sortait avec mon colocataire, mon meilleur ami. Hey. Et ceci depuis plus d'un an, bien avant que je ne quitte de New York. Et tout ceci sous mon nez. Cette fille est très cruelle. Hey! Elle pouvait le faire avec n'importe qui. Pourquoi, mon ami? Ah, les filles. Certaines filles sont très mauvaises. C'est bon, c'est ok. Ça va. Tu n'as pas besoin de pleurer. Ça va. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Ces deux gens-là ne te méritent pas. Oublie-les. Et remercie Dieu que cela soit arrivé un peu plus tôt. Alors, concentre-toi sur ta vie et laisse-les partir. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'une petite amie à cet âge. Pas du tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur ta vie. Alors, concentre-toi sur ce que tu fais déjà. Bientôt, tu iras à l'université et c'est tout ce qui nous importe. Rappelle-toi, quand tu m'as parlé de la mécanique, et après, tu m'as dit que les Nigériens sont si décourageants et qu'ils sont si méchants. Tu vois? C'est ça. Alors, reste juste concentré sur ce que tu fais, d'accord? Cette fille est malchanceuse. Tu n'as pas à le prendre comme ça. Non. Les choses comme ça me mettent tellement en colère. Merci. Merci d'être une bonne amie. Je t'en prie. J'apprécie vraiment. Mets-moi, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Oh non, je pleure pas. Fille stupide. S'il te plaît, viens m'aider. Je ne sais pas ce qui m'a pris de casser la chaise de grand-mère. S'il te plaît, viens m'aider à le réparer. Tu as cassé une chaise? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Merci. Ok, je te rejoins. Merci beaucoup. Monsieur, je peux vous parler? Il s'agit de quoi? Il s'agit de Chuck. Écoute, Clifford, je ne voudrais plus jamais que tu aies foxé, non, ici. Retourne au travail. Monsieur, c'est mon ami et il a besoin d'une chance pour changer. Tu sais, tout le monde n'est pas comme toi. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à embrasser le changement. En fait, Clifford, tu sais, la plupart des gens ne sont pas du tout prêts à accepter le changement. Lui et moi, nous avons eu cette conversation encore et encore. Il a besoin de moi pour vous convaincre de son intention. S'il y a quelque chose de correct à propos de cet insignifiant, suite à ce que je viens de me dire,
Il aurait dû venir me voir. Il doit venir me parler parce que je suis son grand frère. Il vit chez moi. Même si très souvent, il vit dans les buissons. Surtout après avoir volé mon argent pour jouer au pari sportif et fumer de l'herbe. Monsieur, je vous comprends, mais s'il a peur de vous parler directement, vous savez, vous n'avez pas toujours été en bon terme. Alors que veut-il? Pour voler plus d'argent? Pour jouer au pari sportif? Et se shooter? Non, il a vraiment besoin d'une opportunité pour changer de vie. Monsieur, nous pouvons tous changer. Nous pouvons tous changer si réellement et sincèrement nous le voulons. Et bien sûr, ça nous change. Et alors, nous restons ainsi. Et Chuck est de cela. Il a besoin d'une chance pour changer. S'il vous plaît. Nous pouvons tous changer les gens. Et quand les gens changent de vie à partir de leur cœur, ils restent changés. J'en ai terminé. Bonjour, monsieur. Ah, Ray, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Vous êtes venu tôt ce matin? Oui, je vais faire tomber le score. Oh, wow. Monsieur, s'il vous plaît, où est Chuck? Je ne l'ai pas vu depuis 3 jours. Pareil, depuis les 3 derniers jours, je n'ai pas posé mes yeux sur lui. Pas encore. Tu vois ce garçon? Tu sais, oublie-le. Il ne peut pas changer. D'accord, monsieur. Je vais me dépêcher pour aller mettre mon uniforme. D'accord. À bientôt. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Pourquoi tu me fais honte à ce point? Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Que je n'ai pas essayé? Essayer de faire quoi? Rendre ridicule tous mes efforts de te mettre en bon terme avec ton frère? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce que tu essaies de faire? Oh, donc c'est ce que tu penses, pas vrai? Écoute, combien de fois devrais-je te dire que je ne veux pas être mécanicien? Je veux devenir footballeur. Pourquoi vous ne me comprenez pas? J'ai littéralement supplié ton frère de te prendre et il l'a fait. Et c'est comme ça que tu me remercies en retournant ici? C'est ici que je retrouve la joie et je resterai ici jusqu'à ce que je trouve mon chemin. Bien.
Ne m'appelle plus tant que tu n'as pas fini de gérer cette pagaille. Je jure, monsieur le mécanicien, si je t'appelle, je meurs. Nem, quand on va finir de décortiquer cette poignée de pistaches, tu vas la porter à maman Nketi, au marché Ngogun. D'accord. Grand-mère. Grand-mère, je ne pense pas qu'elle va acheter. Parce que la dernière fois que je suis allée là-bas, elle s'est plaint du prix. Du prix comment? Oui. On a juste augmenté son naira. Mais tout le monde est au courant que le prix du carburant a augmenté. Et cela affecte le transport. Elle n'achètera pas où? Elle se plaint toujours. Mais où elle n'achètera pas. Si elle n'achète pas, tu me ramènes mon pistache. Ou encore, tu le vends à quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle sache qu'en tant que fournisseur, je suis même moins cher. Mais c'est comment? Je lui donne même seulement le pistache-là. Même jusque-là, elle dira toujours qu'elle n'achètera pas. Tu es malade? Je constate que tu vas devenir une fille très paresseuse. C'est pas ça, grand-mère. C'est juste que ça ne fait pas la peine. Ta nourriture vient d'ici, oh. Ta nutrition et tout le reste viennent d'ici. On va voir qui klaxonne là-bas. Sa mère est là. Le digne fils de sa mère est de retour. Mon fils. Hey. Ah, maman. Mon fils chéri. Bienvenue. Ah, mon fils. Comment était le coup? C'était bien. Ça fait longtemps. Sois la bienvenue. Merci, maman. Hey. Comment tu vas? Toi et cette voiture. La fois dernière, c'est elle que tu avais. Cette fois-ci encore. Maman, il le fallait. Tu sais, dès que j'ai atterri à l'aéroport, quelqu'un m'a apporté la voiture. Ça facilite les déplacements dans ce village. Ah, j'imagine, mon fils chéri. Nyeloum, peux-tu prendre les bagages dans la malle? D'accord, monsieur. Non. Nous pouvons le faire plus tard. Allons d'abord à l'intérieur. On dirait que tu as fait un truc spécial. Maman, je l'ai fait. Réfort, tu veux dire. Oh. Mon petit-fils Réfort va désormais au travail très tôt le matin. Et puis il rentre le soir. Vraiment? Je te l'ai dit. Oui. Quel changement? Disons que tous les deux nous avons changé. Ok, alors. Allons d'abord. Ça va, allons-y. Hey. Ça va, je viens ouvrir. C'est magique. Mon Dieu! Papa! Papa! Ah. Ah. Mon fils! Waouh! Ça va? Regarde-toi! Waouh! Waouh! Ça, c'est incroyable. Vous savez, Rayford a été une vraie bénédiction pour nous ici. C'est un garçon très intelligent. Je veux dire, il fait les choses exactement comme elles doivent se faire. Je peux imaginer. Vous savez, j'ai toujours su que mon fils a un brillant avenir. Ça fait tellement chaud au cœur de voir qu'il est déjà sur le terrain.
Alors, tout honneur à grand-mère, elle m'a motivé à être celui que je suis maintenant. Ah non. Mais disons que je t'ai juste un peu encouragé. Tu veux dire l'incident du piment? Il fallait que je le fasse. Et je crois d'ailleurs que ce piment est l'une des motivations pour lesquelles tu es devenu un bon garçon. Effectivement. Ok, je pense qu'on va le prendre pour la journée et il reviendra demain. D'accord. La grand-mère. Merci, monsieur Alex, pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Alors, mon fils. Oui, papa. Tu dis vouloir finir ta formation avant de penser au collège? Oui, papa, j'ai encore 6 mois qu'il me reste. Et là, je pourrais penser au collège. D'accord, ça c'est bien. Je suis d'avis avec toi. Je pense que c'est la chose la plus importante que tu dois faire maintenant. Parce que si tu rates cette occasion, le reste n'aura pratiquement aucun sens. Parce que ceci est la vraie fondation de ta nouvelle vie. Absolument. Ça a l'air d'un discours de bienvenue au collège. La vérité, c'est que ta belle-mère est impatiente de te recevoir à l'université. Papa, sans vouloir vous offenser, je ne pense pas vouloir aller dans ce collège. Eh bien, grand-mère, le fait qu'elle soit chargée de cours dans cette université est vraiment effrayant et très bizarre. Il n'y a pas de problème, tu peux t'inscrire dans l'université de ton choix, celle qui te convient. D'accord, pas de problème. Oh, et après le repas, tu pourras prendre ton passeport. Oui, tu pourras partir quand tu voudras. Merci. J'ai trop hâte de t'avoir. Merci, papa. On ne parle pas quand on mange. Désolé, maman. Désolé. Désolé, de manière. Surtout quand le repas est délicieux. Oh, désolé, maman. Rayford, tu ne dors pas encore? Papa va bientôt retourner à New York. Et cette fois, il me l'a dit. Approche, viens t'asseoir ici. Maintenant, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu que je prends la bonne décision? Je veux dire, rester ici et poursuivre une passion au lieu de m'envoler pour New York avec mes parents. L'une des décisions que chacun devrait prendre un jour dans sa vie, c'est de poursuivre ses véritables ambitions. Le reste des choses peut attendre. Ok. Maintenant, s'il fallait que je te donne une réponse, je te dirais oui. Tu as fait le bon choix. Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Et en passant, qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Ce sont mes documents de conduite. Ils m'ont été remis par mon père, mais je ne pense pas que j'en aurai besoin pour le moment. Alors, je veux que tu les gardes pour moi. D'accord. Et je resterai ici jusqu'à ce que je puisse finir ma formation de mécanicien et certainement avoir l'admission dans une université ici au Nigeria. Pour que je puisse être près de toi et que nous puissions nous amuser davantage. Ça, c'est mon petit-fils. Merci, Seigneur. Merci, grand-mère. Merci. Que veux-tu? Je pense t'avoir dit de rester loin de moi. J'ai entendu que ton père est venu te prendre pour les États-Unis et tu as refusé pour faire cette mécanique chiante. Tu veux faire plaisir aux autres, mais pas te faire plaisir à toi. Et qui t'a dit que je ne suis pas heureux de ma décision? Écoute, je sais reconnaître les gens heureux quand j'en vois. Je sais reconnaître quand j'en vois. Écoute, arrête toutes ces bêtises, mon frère. Mais arrête tout ça. C'est bien, tu as donné ton point de vue. Revenons à ma question. Que veux-tu? D'accord, je t'ai stoppé pour te regarder en face. Non mais sérieux, c'est quoi tout ça? Voici une occasion à saisir. Mais tu l'as loupé. Non, Jen,
C'est juste que... toujours aussi embêtant. Salut, fils. Salut, papa. Comment vas-tu? Je vais bien, j'essaie juste de me relaxer après le travail. C'est très important. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Nous allons rentrer dans 2 jours. Nous? Oui. Vanessa et moi. D'accord, papa. Papa, j'ai dit à grand-mère que... Elle m'a déjà tout dit. Et fils, j'aimerais juste que tu saches que peu importe la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Tu es maintenant un adulte. Et je veux juste ce qui est bien pour toi. Ok? Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer, papa. Tu en veux? Non. C'est bon. Ok. Oui. Je te rappelle plus tard. Rayford. Oui, monsieur. Je... Tiens, voici 150 000 naira. D'accord. Que dois-je acheter? Nous n'achetons rien. C'est pour toi. Ton premier salaire. Mon premier salaire? Je pensais que c'était une formation. C'est ce que je pensais aussi. Mais je me suis rendu compte que tu mérites beaucoup plus que ça. Allez, prends. Prends-le. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Je peux vous faire un câlin? Viens là. Merci. Bon garçon. Wow! C'est beaucoup d'argent. Oui. Ton patron doit vraiment être une bonne personne. Un homme vraiment bien. Parce que c'est pas tout le monde qui donne une telle somme d'argent à son employé. Bien 150 000. C'est vraiment incroyable. Je pense que demain, il va falloir que j'aille le remercier. Eh bien, grand-mère, ce n'est pas nécessaire d'aller le remercier. Il m'a donné ça de son plein gré, donc pas besoin d'aller le remercier. Ça va, tu n'as pas à le faire. Ici, c'est pas l'Amérique. Nous irons tous le remercier. Ah! Quelqu'un te donne 150 000, tu racontes des bêtises. Quand même, on va le remercier. D'accord. C'est très nécessaire. Ok. Et comme j'irai le voir demain, je crois que je vais lui faire son plat préféré. Si tu m'aides à savoir ce que c'est, alors je vais le faire. Mais sérieusement, grand-mère, tu en fais trop, d'accord? Tu n'as pas à partir avec la marmite de sauce pour dire merci? Parce qu'il m'a donné de l'argent, tu vas m'embarrasser, grand-mère. Te faire honte? Ok. Dans ce cas, c'est la grosse marmite de sauce que je vais amener là-bas chez ton boss. Comme ça, tu auras davantage honte. Hey! Non, allez. Je sais que tu es triste parce que ton père n'est pas ici pour voir ton succès. Ça va, hein? Grand-mère, j'ai toujours aimé qu'un jour comme ça arrive pour que je puisse prouver à mon père que je peux faire mieux. Tu n'as rien à prouver à ton père. Personne ne devrait se plaindre parce que tu as prouvé que tu es un garçon déterminé, humble et bon. Le reste n'a pas d'importance. Maintenant, fais un câlin à ta grand-mère. Allez. Merci, grand-mère. Grand-mère t'aime. Je t'aime aussi. Ça va. Oh, mon chéri. Ah, n'oublie pas que je dois donner à grand-mère sa part. Tu peux le prendre. Vas-y, prends-le. Ah, prends-tout. Je vais juste te garder au cas où tu... Pas tout? Tu en veux? Fini à l'homme, c'est comme si tu as oublié la position que tu occupais. Mais qui a-t-il? Non, c'est rien. Je lui demandais juste de laver ses mains. Dis-moi, le repas est-il prêt? J'ai faim. Oh, désolé, je... T'inquiète pas, j'ai écouté la conversation que tu as eue avec tes siens. C'était ma mère. Ça, je l'ai su.
Tiens, prends ces 100 000 naira, ajoute-le à tout ce que tu peux avoir pour la facture de l'hôpital. Tiens. Oh mon Dieu. Et si grand-mère? Ne te dérange pas. Je lui ai déjà parlé et elle a accepté que je te le donne, donc tu peux aller. Oh mon Dieu. Tu peux partir. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça va, merci. Je t'en prie. Eh bien, salut-la de ma part. Je lui dirai. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah Seigneur, merci. Merci. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fous? Grand frère Alex, je suis désolé. Je sais que j'ai été plus qu'un idiot. T'es bien pire que ça. Je sais, grand frère Alex, je suis tellement désolé. Mais voyons ça. Mais pourquoi? Oh, l'argent que tu as volé est fini. Alors, comme ça, tu reviens faire ton même scénario pour que je te pardonne. Et si tu me voles et tu t'enfuis encore? Mon ami, lève-toi et fous le camp d'ici. Il est vraiment désolé. Ne plaide pas pour lui. Non, je lui ai parlé l'autre jour et il a réalisé son erreur. Il veut vraiment changer. Lui as-tu aussi dit que tu m'as conseillé d'ouvrir un compte pour que je ne prenne plus le risque de garder de l'argent à la maison afin qu'il n'ait plus absolument rien à voler? Il est au courant. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ça qu'il est là. Alors pourquoi est-il là? Oh, autre chose. Écoute, écoute-moi très bien, je n'ai toujours pas les 800 000 à te donner pour aller t'acheter un ordinateur et faire de la nappe. Non, ce n'est pas ça. Eh bien, de quoi s'agit-il? Votre pardon. Mon pardon est épuisé. Il a épuisé mon pardon. Ne t'as-tu pas dit qu'il vient tous les week-ends en pleurant et en me suppliant et je le pardonne? Alors, lequel vais-je lui donner maintenant? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Il est prêt à changer. C'est bon, debout. Merci. Merci, monsieur. Prends-toi ici. Va chercher le matériel et commençons le travail. Merci, grand frère. Va chercher. Regarde-le, les outils. Petit pleurnichard. Merci, monsieur. J'espère qu'il est sincère. Oui, je peux vous le rassurer. Elle a dit qu'elle utilisera un tissu et demi et qu'elle prendra 6 000. 6 000? Oui. Plus un demi-tissu. Nem, utilise le demi-tissu. Coupe-le en deux. Ça pourra suffire. Tu vas prendre et tu vas... Non, mais apporte, je vais le faire moi-même. Non. 6 000? Pour Noël, non. Fais seulement le maître de pitache. Salut, grand-mère. Ah, sois le bienvenu. Que fais-tu avec tous ces paquets? Joyeux Noël en avance. C'est le premier Noël qu'on va fêter ensemble. Donc, ce sont des habits. Des habits de merci. Noël. Merci. Les habits de Noël. Tout ça pour grand-mère? Ah, mon petit oui. Fils. Pour grand-mère. Allez, montre-moi. Quel est mon attends, paquet? Attends, je regarde dans ceci. C'est pour moi? Mm-hmm. Ok. N'as-tu aussi rien pris pour moi? Je pense que ton paquet ne doit commence pas. Ceci. D'accord, moi aussi. Reste à ta place. Reste grand-mère, assise. Tu n'as pas à faire... Qui est mon petit-fils? Non, nous ne faisons pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous ne faisons pas de compétition ici. Je veux juste qu'elle connaisse sa place. Grand-mère. C'est bon, tu peux venir. Viens. Je t'ai acheté cette belle robe. Ça a des perles autour de la cour. Oh mon Dieu. Tu vas aimer. Alors, non, tu n'es pas sérieux. Il y a déjà des cours, mais tu vas encore rajouter. Réforte. Alors, puisque nous sommes dans la mouvance de la fête, je veux saisir cette opportunité pour spécialement te présenter mes excuses, grand-mère, pour toutes les fois que je t'ai manqué de respect, pour toutes les fois que je t'ai offensé, pour toutes les fois que j'ai utilisé un langage violent contre toi. Je t'ai offensé, je suis tellement désolé. Je vais aussi saisir cette opportunité pour te remercier. Merci de m'avoir toléré, merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis devenu. Merci pour tous tes actes de discipline que tu as fait pour me sanctionner. Alors, au début, je n'ai pas ressenti de l'amour. Au début, je pensais que tu te plaisais à me faire du mal. Je ne savais pas que c'était pour mon propre bien. J'ai su que faire ce que tu veux que je fasse, c'était pour que je devienne l'homme que je suis. Alors, grand-mère, je suis désolé et je te remercie. Ah, je ne sais même pas quoi dire. Je t'en prie, mon fils. Oh, merci, grand-mère. Tu sais, quand ton père a décidé de t'amener à l'étranger, j'étais sceptique parce que
Je ne savais pas ce que tu allais devenir. Mais quand il t'a ramené, on a essayé de te transformer et de te redresser. Eh bien, il faut avouer qu'au départ, cela n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, tu t'es mis à comprendre exactement ce qu'on attendait de toi et ce qu'on voulait que tu sois. Puis tu as changé et tu es devenu une merveilleuse personne. Et même au-delà de nos attentes. Oh, merci. Et sache que tu es un amour. Ok? Tu es spécial. Oh. Tu es mon seul petit-fils et tu veux me tuer. Je t'aime beaucoup et j'ai vraiment apprécié que tu aies accepté de faire des efforts pour devenir une autre personne. Mais si au contraire, tu avais plutôt choisi le mauvais chemin, ça n'aurait pas été bénéfique pour nous et tu nous as facilité la tâche. Et... Arrête ça. Mais grand-mère, tu n'as pas à faire non, ça. Tu en as beaucoup à l'intérieur. Ce n'est pas ça le problème. Elle passe son temps à manger. Trop, c'est trop. De toutes les façons, comme je le disais, avant qu'elle ne mette ses sales mains dans la boîte. Et sache que je t'aime. Et en tant que grand-mère, ce que je te souhaite, c'est que Dieu bénisse ta nouvelle personnalité. Amen. Tes activités et tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Amen. Et aussi, que le Seigneur te trouve une bonne femme. Afin qu'ensemble, vous puissiez me donner de très beaux arrières, petit-fils. Amen. Et enfin, je vais juste te dire merci. Et te donner ma bénédiction, mon merci, petit-fils. Merci, grand-mère. Merci. Alors, j'ai une autre surprise, d'accord? Je nous ai réservé okay. Ce bel hôtel 5 étoiles. Oui. Pour qu'on aille tous dîner. Alors, venez dîner avec moi dans un 5 étoiles. Que je te bénisse. Elle sera aussi au dîner. Ben, j'ai dit nous trois. Non, ça ne pourra pas marcher. Elle va nous faire honte là-bas. Alors, on va lui donner la nourriture là-bas. Il va dire nia. Qu'en est-il de moi? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Outgrow them, your love is contagious.